Aujourd'hui, on est venu en tant que citoyen patriote pour défendre la grandeur, l'identité de la France. Parce qu'aujourd'hui, on considère en particulier qu'à Calais, elle est menacée et que notre présence ici, pour des citoyens patriotes, est parfaitement justifiée. L'interdiction qui a été prise par l'État est parfaitement scandaleuse, car on avait garanti, nous sommes des hommes d'honneur, qu'il n'y aurait pas de provocation, qu'il n'y aurait pas de désordre, qu'il n'y aurait pas de trouble à l'ordre public. Or, l'interdiction, avec des gens qui sont des gendarmes avec qui j'ai servi pendant 40 ans, qui sont prêts à frapper sur des citoyens patriotes, même si l'interdiction... Et en plus, l'interdiction a été prise sur des raisons fallacieuses qui ne sont pas acceptables. Et aujourd'hui, on est traités comme des cannibales. Voilà. Et qu'on puisse envoyer des forces de l'ordre, en plus des gendarmes, donc des militaires qui traitent des Français de cette manière-là, c'est vraiment quelque chose d'absolument inacceptable. Et ça n'est qu'un début, car la France debout va se lever. Elle va se lever. Et il va se passer des choses dans les mois qui viennent, c'est certain. Parce qu'on ne peut pas accepter le traitement d'honorables citoyens, de gens qui ont en plus pendant des années servi la France avec honneur, fidélité, et qu'on soit traité de cette manière-là. Ceci, c'est absolument inacceptable. Et quand je vois des gendarmes qui entendent la Marseillaise, qui restent au repos, alors qu'ils auraient dû se mettre au garde à vous et chanter avec nous, c'est vraiment... La France est en train de mourir. La France est en train de mourir. Et ceci, c'est proprement scandaleux. Voilà. Et on fera tout pour que la France renaisse. Que la France renaisse. Car la France éternelle a été le phare du monde. Et elle doit le rester. Donc, ça n'est qu'un début. Aujourd'hui, ils sont majoritaires. Ils savent même pas ce qu'ils défendent. Voilà. Moi, je serais dans leur rang, j'aurais honte de faire le travail qu'ils sont en train de faire là. Car ce sont des militaires qui servent la République. Et faire ce travail, taper sur des citoyens qui viennent pour défendre la grandeur de leur pays, et interdire que même qu'on soit plus de deux avec le drapeau tricolore, drapeau dans lequel il y a eu du sang, des larmes, de l'héroïsme, de tous les gens qui sont dans les territoires. C'était ça la France libre. Aujourd'hui, c'est pratiquement, on peut le dire, scandaleusement, c'est la dictature. Ça, c'est de la dictature, voilà. Et ça, c'est pas acceptable. Donc, les citoyens sont souverains en démocratie et ils doivent... Le pouvoir du peuple est plus important que celui du pouvoir politique et de la décision qui a été prise. Elle est inique, elle est scandaleuse. Attention, 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 attention